raison, c'est qu'elle a été programmée déjà en première partie d'un artiste dans la salle club de la Luciole. Le public présent ne vient bien sûr pas pour Jen, qui n'était pas connue à cette époque, mais elle a fait un très bon set, elle était déjà toute seule avec la même machine qu'elle sera là ce soir, et elle avait quelque chose qui était déjà différent des autres, de pétillant, une vraie fraîcheur, et qui avait vraiment tapé dans l'œil et dans l'oreille du public présent ce soir-là, et surtout dans la mienne. Pour nous, c'est important de suivre aussi les artistes que l'on programme, et tant qu'à faire, c'est de les reprogrammer avant que ça soit complètement inabordable financièrement, pendant qu'ils puissent encore faire des salles de la taille de celle de la Luciole. Et déjà, à partir du moment où il y a un buzz qui se précipite, il faut déjà négocier, il faut déjà avoir un peu de bonnes relations professionnelles pour faire valoir l'idée que c'est peut-être bien qu'elle revienne à la Luciole, puisqu'on a comme aussi participé à son démarrage. Et la